gamers, salut les gamers. Donc on va se retrouver pour une nouvelle vidéo sur ma sixième maintenant, mon sixième épisode, pardon. Donc j'aime bien utiliser cette vue. Ah, il y a Écureuil en bas qui s'est défoncé. On voit juste un point briller. On voit pas les mobs à côté. Donc avec un nouveau pack texture, on revient un petit peu en force. Là, je vais vous montrer pas mal de nouveautés que j'ai fait sur ma map. Là, on peut voir le pack texture qui est assez sympa. Allez, c'est parti. Merde, dans mon sens. Hop. Allez, voilà. Là, il y a des trous. Personne qui le remet, c'est pour ça. Alors, les cactus, par contre, sont pas très beaux. Alors, est-ce que. Oh putain, le creeper. Oh attends, elle est où mon épée? Oh, il a une drôle de tête, le creeper. Oh, il fait trop peur, il a les yeux rouges. Allez, dégage, bien, le creeper. Voilà, je suis mieux contre le creeper. Voilà donc ce que vous avez pu voir dans l'épisode 5. Aïe! Enfoiré! Quel connard cet écureuil! comme vous avez pu voir dans l'épisode 5, j'ai fait avec l'aide de l'écureuil, un Space Invader en luminite. Donc en l'occurrence, là, les bleus, la luminite. Je préférais prendre ce texture pack pour vous montrer le Space Invader parce que on le voit bien que dans le texture pack de base classique. Oh putain! Oh, il y a l'eau qui change de couleur, c'est trop bizarre, c'est vert. Oh putain, on dirait qu'il y a Shrek qui est en train de se baigner à côté, quoi. Mais qu'est-ce que c'est ce truc? Ah oui, ça vient d'où ce truc? Ouais, je viens tout juste de mettre le... ce nouveau texture pack, je connais pas vraiment bien encore. J'ai pas vu tout à quoi ressembler. Oula, petit lag ou quoi? Donc voilà mon Space Invaders, je vais vous montrer la suite de ce que j'ai fait, ben, par la suite. Alors donc je vous montre dans la nuit parce que c'est beaucoup plus joli. Donc, voilà les torches, c'est sympa. Ah non mais en fait la flotte elle est verte, c'est un peu chelou. Donc mon champ, il me semble que je vous l'avais montré, oui je vous l'avais montré mon champ, c'est juste ici en fait. Je vais mettre des citrouilles. C'est des citrouilles, j'en ai besoin car vous allez comprendre pourquoi j'en ai besoin. Allez, voilà, ça va être un épisode assez court, juste pour vous montrer un petit peu les nouveautés. Je vous avais dit que je voulais faire un épisode avec l'écureuil, mais vu que c'est une petite bite, il n'a pas voulu parler parce qu'il a un peu une voix de Ah, c'est un peu comme ça. Du coup, il préfère pas parler, je comprends. Le pauvre. Alors, on va voir un peu les vaches. Ah, profite pas petit con. Parce que en fait il nous entend. Enfin il m'entend, il nous entend. Il m'entend parler parce qu'il est sur moi et Skype. Mais il a coupé son micro, donc il a pas été à faire de faute quand il écrit. Allez donc ça c'est nouveau. Voilà, j'ai pris cet exemple en fait. Je crois qu'il n'est même pas au courant, donc je vais lui dire. C'est Ankraras qui m'a donné cette idée. Oui, il n'est pas au courant, mais c'est bien lui qui m'a donné cette idée de faire des maisons sur pilotis. Et franchement, avec ce texture pack, ça donne vraiment, vraiment bien. Oh putain, par contre, les citrouilles, elles sont moches. Elles tirent la gueule. Donc ça, c'est un fail, en fait. C'est des petits gâteaux, hop, que j'ai mis en hauteur. Mais vu que ça prend un cube entier sur ma table, ça ne marche pas. Il faudrait que je vous enseigne comment faire. Voilà, donc ouais, j'ai fait donc ceci. Si vous ne savez pas ce que c'est un coffre du néant. Voilà, donc vous pouvez voir que le pack est à jour. Ce texture pack est à jour. Ouais, ça fait vraiment bizarre la flotte. Hein, ça fait sympa d'ailleurs. Donc, ces texture pack, il y en a trois différents. Je peux voir un creeper. Creeper! Ah ouais, putain, le vert, ça fait cool le vert quand même. Ça fait une fenêtre de 4. Donc vous avez le texture pack light, le texture pack high et le texture pack dark. Je vous mettrai une nouvelle fois un lien pour télécharger tout ça. Donc ceci sont des gâteaux. Des gâteaux, je crois qu'on va pas changer de gueule. En fait,
qui ressemble à quelqu'un d'autre. Donc ici, ouais, je fais une plus grande baraque. Là, alors là, ici, en fait, je vais faire une baraque avec vous. Je pense qu'on va voir si je peux pas la faire maintenant. D'ailleurs, comme ça, ça sera fait. Je vais faire une grande baraque. Non, je pense qu'on va faire quand même un épisode pour cette baraque. Un épisode entier pour faire une méga giga baraque. Ah putain, mais c'est trop bizarre comment c'est foutu. Il est vraiment bien fait cette texture. Ouais, quand on va sous l'eau, c'est tout ombragé. Alors là, c'est vert. Et pas froid. Ah, le squelette, la gueule qu'il a. Ah non, c'est un zombie. Ah, c'est vraiment, vraiment, je découvre un peu le texture pack avec vous. Allez, je vais vous faire un petit truc, regardez, la dernière fois, on s'amuser avec les oreilles. On s'amuser à sauter ici pour attirer donc là. Et le but c'était de le faire mais en 360. Je vais le faire en vidéo comme ça, je ne pourrai rien dire. Eh ben j'ai loupé. Allez, nouvelle tentative, tout est fait. Voilà, je peux être 3-6, mais c'est pas grave. Donc voilà, donc ça c'est ma petite maison sur pilotis et c'est donc Mr. Anquaras qui m'avait dit qu'il voulait faire ça. Oh putain, ça fume. Ah, j'ai oublié de mettre le toit. Non, c'est pas le toit comme ça. C'est Mr. Anquaras qui m'avait donné cette idée. Un truc sur pilotis et je me suis dit tiens je vais faire pareil que lui vu qu'il veut faire pareil que moi c'est la même hop hop voilà donc promis la prochaine fois on va faire une vidéo exclusive sur comment faire une petite cabane. Ah, vas-y Corinne, montre-nous ton skin. Vas-y, fous-toi à poil, enlève-toi ton skin de chevalier. Oh là, c'est sexy, on a direct le bas, attention, hein. Je suis lapin, on a eu ta tête. Vous pouvez voir, en fait, c'est un bûcheron. Un bûcheron. Un curé. Donc en fait, oh putain, enfoiré. Non, c'est pas juste, regarde, attendez. En fait, je voulais faire une vidéo avec lui, mais je suis pas sûr que ça va être pouvoir, ça va être vraiment possible. Merde, t'es dégoûté, t'as gaspillé une flèche. Je suis pas sûr de pouvoir vraiment faire une vidéo avec lui, mais qui se barre samedi, c'est... samedi. Lundi il est pas là. C'est le connard de bûcheron. Aïe, foiré. Petit con. Voilà donc. On s'amuse tous à faire ça pour quelque chose. Bon attends, arrête de me tirer dessus, je vais montrer. Je vais montrer où est-ce que je voudrais aller. En fait ici, on a cette magnifique baraque. Baraque là, en fait on a trouvé un petit passage. Un petit passage étroit. Oh putain, quel marrage. Aïe. Ah non, pas possible. Non, touché. On a touché. Heureusement que l'eau le dévie. Putain, mais l'enfoiré. Bataille de squelette. Ah les squelettes, c'est cette prison. Ils vont me démonter. Je vais mourir, j'y crois pas, je vais mourir. Ah les putes. Ils vont me tuer. Je vais me cacher pour pas que... Putain. Ils vont me défoncer. Ah, c'est qui va tuer? Ah PGM. Putain, il me restait que 3 coeurs. Tu m'as sauvé, t'es mon sauveur. Bon, tu veux qu'on aille visiter un petit peu là ensemble? Vu que t'es là maintenant, tu peux venir. Donc à faire. On n'a pas pris les affaires qu'il fallait, mais allez, on se lance. Donc du coup, il faut que je repère. Merde. J'ai rien pris sur moi en fait.
Là, j'ai du gravier. Le gravier est pas beau. Hein. C'est tout marron. On va essayer d'explorer vite fait le. Hop. Toi, c'était l'autre côté que t'étais allé. Hein. T'as visité un petit peu l'autre côté, hein, traître. Ah, ici, y'a rien en fait. Putain, ça va être un fail. Pourquoi mais toutes mes vidéos sont des fails comme ça? Attends, j'ai même pas de pioche, j'ai rien du tout. Oui, c'est quoi ça? Ah, mais moi, j'ai même pas mon armure en plate. Oh, en plate, en plein, il me manque le casque. Putain, le crevard, il est en train de tout miner. Attention à la lave, hein, déconne pas, sinon je te pousse. Il se claque dessus. On va aller voir là-bas ce qui se trame par là. Allez, Bebop. Oh putain, creeper! Vas-y, pète, je suis dans l'eau, j'ai rien à foutre. PD m'a démonté. Ah, le coup où j'étais à pied, c'est là-bas. Mais en fait, à la base, on avait prévu de. Non mais casse-toi ça, la petite bestiole. On avait prévu de faire les choses bien. De prendre un coup de TNT et tout. Mais finalement, on n'a plus de TNT parce qu'on s'amusait avec. Alors voilà, bon ben, c'est complètement de l'impro cette vidéo. Hop, voilà, tac. Hop, hop. Putain, en fait, c'est de la merde. C'est comme ça. Ah ouais, des torches, c'est pas grave, des torches. Bah, y'a rien. Voilà, c'est super. Au final, au moins, on aura fait deux trucs en un pour trouver rien. Je crois qu'il faut aller creuser un peu plus du côté de la lave. Attends, mais quelle couche là? On est à la couche 40, mais y'a que dalle en fait. TNT, courez! Ça me dit un creeper. Ah bah, t'as trouvé de l'eau. Ah putain! Y'a un truc. Y'a un zombie quelque part. Ah y'a un truc là-haut. Attends. Ah bah non. Bon, en fait, c'est le fossé qu'on est en train de regarder. Il y a que dalle. Bon ben je pense que jamais on arrivera à se faire un putain de fosse quoi. Là il y a un zombie, je sais pas où il est. Putain j'ai mal au bras à force de piquer. Qu'est-ce qu'il y a là-haut? Ah mais attends. Il y a quoi là-haut? Ah c'est la maison. Je suis con. Je remarque les torches. Bon allez on remonte. Hop, il y a un truc qui pivote, qui tournoie. Oui, il est tombé. Ah, je vais mourir, j'ai plus d'air. C'est bon, j'ai survécu. Voilà, donc je vous ai montré grosso modo ce que je voulais vous montrer. Qu'est-ce qu'on avait fait d'autre? J'ai fait quelque chose en plus, c'est pareil. Ça fait un peu. Je crois qu'on avait fait ça. Donc la prochaine vidéo ça sera sur entièrement sur la création de la maison, un petit peu de crafting, un petit peu, je vais démontrer seulement ce que j'ai fait. Donc je vais vous montrer un petit peu mes nouvelles armes. Alors ça c'est ce que j'ai enchanté. Une pioche en diamant, efficacité 4, délicatesse 1. Donc délicatesse, je vous rappelle, c'est pour récupérer. À l'identique un coffre, un bloc. Fortune 3, donc pour miner doublement en fait ce qu'on a trouvé, ça marche sur le diamant, donc si je trouve du diamant, je vais pouvoir avoir le diamant en 2 ou 3 équipes, c'est pas tout en mouvement par la tête. Efficacité 4 toujours, donc ça mine vachement vite. Et une pelle délicatesse, donc là c'est pareil que la pioche, ça pop à l'identique le truc. Une pelle efficacité 4, solidité 3. Et
une hache en diamant également. Enchanté, solidité 3, fortune 3. Donc solidité c'est toujours bien, mais fortune 3 en fait sur une hache ça sert à rien, parce que apparemment on ne gagne pas le double de cette prétexte d'après ce qu'on m'a dit avec lui. Par contre l'appel elle déboîte, hein. Elle tue. Je vais vous montrer la prochaine fois. Voilà, sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous dis ciao ciao à la prochaine. Aïe. C'est parti la barrière.